savoir le côté spécifique de mes courses comme ce matin, quoi. Bon, déjà, dans un premier temps, c'est par rapport à la topologie du parcours, du fait que ça soit complètement plat, qu'il y avait beaucoup de vent, que la pluie était aussi présente. Donc là, on rentre vraiment dans une étape très spécifique aux 3 jours de la panne, qui comprend les risques de bordure, c'est-à-dire les éventails par rapport au vent, les risques de chute, de crevaison, d'un tas de choses comme ça, qui fait que la course est très nerveuse, qu'il n'y a aucun moment de répit. De plus, qu'en plus ce matin, c'était donc une étape assez courte, c'était une demi-étape. Beaucoup d'éléments étaient réunis pour assister à une chose très spécifique par rapport au 3 jours de la panne, quoi. Hier, j'ai fait une belle course. Et aujourd'hui, bon, c'est un peu dommage, mais ça fait partie de la course à la panne. Il y a du vent, ça chute, et tout ça, ça fait partie des circonstances de course, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, il faut être super motivé. C'est des courses qui, pour préparer Paris-Roubaix, c'est vraiment très important, quoi. Toujours être super motivé, quoi. Après, faut pas voir que soit, faut voir aussi. Tu portes le maillot de l'équipe Source au Jason. Ça se mérite, quoi. Faut le mettre en valeur. J'apprends toujours un peu cet exercice, surtout quand ils sont un peu longs. J'arrive à faire des bonnes performances sur les prologues de moins de 6 km. Mais là, sur 15 km, c'est vraiment pas mon point fort. Et en particulier aujourd'hui, les conditions sont très très dures. Parce que bon, ce matin, il y a une étape de 110 km qui a été très 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 difficile. Et aujourd'hui, on a eu très peu de temps de récupération. Et donc, j'ai pas pu préparer le chrono de la meilleure manière possible. Bon, j'ai essayé de donner le maximum. J'ai jamais trouvé le bon rythme. Attention au virage, surtout, il y avait une bonne partie vent de dos et un retour vent de face. Et là, vent de face, ça a été terrible. 2 km, un petit peu plus de 2 km comme ça, Jimmy. Allez!